Et réponse que Abinader bail là, nous allons parler de ça. Son réponse qui est disproportionnelle. C'est-à-dire que, yon rivière massacre, un canal n'a pris là-dedans, Capral prend un patinant de loi, pendant yon getan pour un ban déjà, ça getan fait que l'armée mobilisée sous frontière, frontière fermée, problème de sécurité nationale. M'pas pensé ça. M'pas pensé ça. Et de m'ap gade, bien parce que, pas oublier, non, politiciens utilisent un pile diversion, la DGPI. Donc là, par exemple, Abinader font semaine, a frappé, a fait frontière haïtien, canal, fait réunion, l'armée. Il y a deux éléments qui connectent ensemble, vous comprenez. Premièrement, sondage qui est récent, m'a regardé dernièrement sous ce domaine, Abinader en deuxième position pour l'élection Cap Vidéo. Ça veut dire, monsieur gagne difficulté. Et une principale difficulté que monsieur gagne, c'est que gagne la vie chère de bois. On peut pas comme ça. Parce que là où le pays a agité que sur Haïti, déportation, c'est pour que ça a occupé l'espace nouvel là, pour vrai problème n'y a pas posé. Dans tous les pays du monde, l'idée est la même chose. Ils ont utilisé nouvelles diversions, créées, provocations, pour capable passer ça qui n'est pas important derrière, ça qui est moins important devant. Vous saisissez? Il y a une inflation là-dedans, bon, là. Pour y monter, pour y gonfler. Et la meilleure façon pour éviter que les gens soient conscients de ça et parler de ça, c'est faire nouvelle. Donc pendant 8 mois avant l'élection, hein, comme moins deuxième dans le sondage, et bien, on a regardé qui ça tout fait. Et puis, il dit fermer les frontières. Même moi, je dis la vérité. Si il y a un pays qui n'a pas supporté les frontières, fermer le Saint-Domingue, et bien, Haïti le. Raison simple. Pour Haïti, pas avant Saint-Domingue, hein. 10 millions de dollars américains exportation par année, Haïti a brûlé l'autre bois. Ok, bon, et l'autre aspect, vous voyez ça, vous êtes fiscal. Mais fondamentalement, si vous perdez dans la frontière fermée, c'est le domaine. Et moi, je dis ça, je dis, c'est le domaine, pas qu'à qu'il y ait frontière fermée. Point. Raison, parce qu'ils ont à perdre. C'est presque 2,7 à 3 millions de dollars américains marchandises que vous vendez à Haïti chaque jour. Je reprends. 2,7 millions à 3 millions de dollars américains marchandises que vous vendez à Haïti chaque jour. Ah bon? Yeah! Mais le fait ça, et ça représente 10%, 8, 9, presque 10%. Exportation que vous voyez à l'étranger, que Haïti représente. Mais c'est pas comme ça pour elle. C'est pour elle des dizaines de centaines de milliers de producteurs dominicains qui prennent des difficultés, marchandises après être dans mais ils n'ont pas bien côté pour vendre. Parce que c'est pour Haïti qui fait produire seulement. Ah bon? Bien sûr. C'est pour Haïti qui produit seulement. Ils n'ont pas qu'à vendre ça pour Haïti à Canada. C'est pas même clientèle. C'est pas même gamme produit. Et pas même exigence produit. Il va bien contrôler ben encore les ça. Vous comprenez son blague? Yep. En tout cas, ça va faire pression au gouvernement dominicain. Mon frère, mes frontières, bag avant, bag après, t'es dans même, ça n'a pas fait. Et m'a pour exemple, c'est domaine vend à Haïti 50 millions d'œufs chaque mois. 50 millions d'œufs. Chaque mois. Waouh! Ça veut dire presque 1,5 million d'œufs traversent les frontières chaque jour. Et nous, on souvient un jour, les œufs gâtés. Le gouvernement dit, et pour les gens qui ont des produits qui sont dans le gouvernement a acheté dans le pour combien de temps? Mais on ne parle pas de gouvernement américain qui est super riche, gouvernement chinois qui est super riche, japonais, allemand, on parle de ces noms. Qui j'ai un gouvernement qui a fait un mois pour acheter la production de mon nom pendant 2 mois, pendant 3 mois. On blague. Ça va pas arriver.
Bon, faut un retour historique. Sur échange commercial, c'est le même avec Haïti. Pour nous comprendre ce qui a passé aujourd'hui, c'est le même avec Haïti qui a une histoire. Nous connaissons déjà. Même bout de terre, etc. Je viens d'Espagne, la France, traité de Ruswick, etc. Et je fais bon ça, bois, il prend contrôle, il est indépendant encore. Nous connaissons l'histoire, pas tourner sur ça. Et donc, il y a échange avec eux. Mais il faut me dire que l'échange n'a pas commencé longtemps, vraiment. Il n'a pas vraiment gros. Je regarde un chiffre jusqu'à 1967. Saint-Domingue était convoyé en Haïti pour 300 000 dollars produits par année. En 67. Parce que tout l'époque, ça a été nous pas vraiment acheter pour du manger l'autre bord. Haïti était autosuffisant, majoritairement, sous pratiquement presque tout produit alimentaire, surtout. Bon, nous venons graser ça avec toute politique, ajustement structurel, ouvrir barrière, tout programme FMI, sous Nanfi, sous Aristide 95, nous graser pays. Et puis, mais toute époque ça, nous t'es qu'on vend plus que t'es qu'on vend nous. Ça veut dire que ces domaines t'es gagné un commerce d'Asie qui en faveur Haïti, qui défaveur pas là. Ouais. Ça veut dire un commerce qui déficitaire, même moi, qui était déficitaire pour ces domaines et qui était excédentaire pour Haïti. Mot clé, mot technique là. Et m'a regardé jusqu'à 1969, Haïti t'es gagné presque 1,2 million de dollars américains d'excédent. Par rapport à Saint-Domingue, a dit que nous devons dominer le commerce. Et non seulement ça, migrants haïtiens qui étaient l'autre bord, toujours voué transfert en Haïti, donc a dit que nous devons bon sur tout le monde. Nous vendions plus, haïtiens qui étaient l'autre bord, voué transfert par les gens qui ici, et plus que ça, nous devons gagner plus de touristes passés. Donc, Dominicains devons visiter Haïti plus que haïtiens devons visiter Saint-Domingue. Allez, 60, bien sûr. Haïti, c'était la principale destination touristique pour toute zone Caraïbe, dans les années 50-60. C'est-à-dire que nous, ces pays, nous devons visiter plus nos zones. Donc, Dominique était pour de l'argent, ça a eu un touriste. Et puis, migrants haïtiens, parce que nous, j'étais depuis les années. Bon, regardez qui le. En 1918, nous avons commencé la question de bagaille, vous haïtiens, vous coupez comme notre bois. Et les coupez comme notre bois, vous coupez comme la famille. Donc, nous devons bosser tout le temps. Maintenant, ce domaine, bah, la vie inverse est net. Même temps, nous ne comprenons pas. Songez, je me dis que dans les années 60, Haïti, c'est qu'on vend ce domaine plus produit que ce domaine en Haïti. Mais quand on a la gâte, ça avec toute mesure ajustement sur la société, crise politique, pays à pas marché, un pays industrie fermée dans les années 80, un problème, coup d'état, embargo politique. Donc Saint-Domingue profite en pile chaque fois Haïti gagne choc pour y mettre pied souvent. Et bien, ben, nous trois moments. Premier moment. Que Saint-Domingue vraiment mettait pied sous coude pour la première grande fois. C'était l'heure de gagner coup d'État, embargo, entre 1991 et 1994. L'embargo a fait, coup d'État a réussi à tomber. Il y a Nations Unies qui mettait embargo sur Haïti. Embargo avait dit qu'on n'a pas fait commerce à pays étrangers. Mais comme c'est sous frontière, il y a même eu profité. Vendre nous à commerce pendant que nous n'avons pas fait commerce l'autre bord. Et en même temps, nous n'avons pas produit, le pays a son embargo. Embargo veut dire, mais embargo. Gaz d'être nègre. Donc, Saint-Domingue, premier gros moment où profiter de nous, nous fait commerce, c'est pendant la période où l'État embargo 91-94. Donc, chaque fois qu'il y a un choc en Haïti, il profite à l'économie Saint-Domingue. Deuxième moment, tombement de terre 2010. Tombement de terre 2010 là vient propulser Saint-Domingue en Haïti avec de poids commercial. Et ma bonne chiffre, n'a pas compris. En 2009, niveau commerce là, c'est dans 600 combien millions de dollars. En 2011, Saint-Domingue voulait vendre 1 milliard de dollars. Dans 2 ans.
avant tremblement, après tremblement. En d'autres termes, commerce Saint-Domingue voyé en Haïti augmenté de 60% en 2 ans. Et particulièrement, ça arrivait à cause de tremblement qui était cassé capacité Haïti. Coup d'état 91, nous confirmons. Tremblement de terre 2010, nous confirmons. Et troisièmement, c'est crise que nous avons vécue là au cours des 5 dernières années, depuis 2018. Nous avons ébullition là dans le pays. Côté que insécurité, problème, pays loc, viennent casser l'industriel qui est dans le pays. Faire obligé de traverser la frontière, casser les gens qui font business, casser les populations. Et tout ça a profité à l'économie de ce domaine. Et qui vient aujourd'hui à vendre autour de 1 milliard, un peu plus que ça, commerce chaque année. Formel. Informel là, il y a des montants par tout que nous ne connaissons pas. Ça ne passe en bas fil contre ben. Et malheureusement, Haïti n'a pas vendu rien. Nous vendions 1 milliard de dollars. Nous vendions 12 millions de dollars en 2022. 12 millions, nous vendions, et nous vendions 1 milliard. Pendant que nous disions 1967, 68, 69, 70, nous devons nous vendre plus que nous devons nous vendre. Nous sommes un pays qui a fait bac. Moi, je dis ça, tout ça qui est bon en Haïti, c'est dans l'histoire. Tout ça qui fait Haïti fier, il faut que nous cherchions l'histoire d'Haïti pour nous chercher. Parce que il n'est pas dans le présent. C'est signe d'un pays qui n'a pas fait progrès. Et qui ça va vendre nous comme ça? Regardez l'image ça encore. Regardez pour moi. Mais l'image là. Quand nous avons plus gros, ces produits vont vendre plus. Des produits. Fabrique qui fait en coton, numéro 1. Après nous, ouais, maillot, bagaille, bagaille, ça y est, toujours même domaine, coton, maillot, ça y est, le textile. Après nous, ouais, qui ça go encore là dans l'image là, nous, ouais, ciment, même grosseur, en rouge là, nous, ouais, bagaille plastique, gros tout. Après nous, ouais, qui ça encore? Bagay épices, ça veut dire les sauces et assaisonnement. Nous avons papier en bas, 2.61. Nous avons l'huile, 3.23. Et puis nous avons fait, 3.19. Nous avons blé avec farine, 3.62. Et oui. Regardez ça avant, monsieur, 1.54%. En savon, tout le monde a fait savon. Bref. Ça a donné une idée. Et nous, tant que les petits, c'est un poids bien moins important. Et nous-mêmes, qui ça nous vendu? Regardez pour nous. Nous vendu une équipe de bagaille, de rad pour femmes, de fabriques synthétiques, jacket, t-shirt. Mais ça, c'était bien fait dans le parc industriel. Yo. Que nous voulons l'autre bois, mais nous pas vendre vraiment, nous voulons l'autre bois pour qu'il soit fini, pour qu'il revoie et vendre l'autre bois même. C'est comme ça. Ça dit, là, à la sortie Haïti, il fait maillot, slip, chemisette, et puis il revoit le Saint-Domingue pour qu'il mette le sachet, pour qu'il vendre l'autre bois. Donc nous pas vendre, hein, pratiquement. Nous vendre, hein. On t'y crasse tabac. Qui ça encore? C'est ça, oui. Bref, ok. J'aime d'abord dire là, commerce Saint-Domingue avec Haïti grand pile en jeu. Okay. Haïti, ce n'est pas pays que Saint-Domingue vend plus. Faut être clair. Nous, c'est deuxième. Des fois, troisième, des fois, deuxième. Il y a des gens qui disent, économiste, regardez le livre, moi, c'est troisième. Moi, c'est deuxième. C'est parce que Suisse avec Haïti, tout près. Donc, Suisse avec Haïti, c'est deuxième ou troisième pays qui recevra plus commerce Saint-Domingue. Première, c'est États-Unis. États-Unis, moitié commerce Saint-Domingue, c'est la vente. Moitié, 50%. Donc, maintenant, deuxième, nan, c'est Suisse avec Haïti. Gede année, Suisse monte deuxième, Haïti troisième. Gede année, Haïti monte deuxième, Suisse monte troisième. Mais toujours prix, autour de 8 à 10% de chaque. Et bien après, vous venez l'Inde, vous venez la Hollande comme quatrième et comme cinquième.
Mais eux-mêmes, ils n'ont pas acheté dans main nous. Nous, c'est deuxième partenaire, mais c'est dans le sens acheter dans main. Mais ils n'ont pas acheté dans main nous. Ils achètent dans main gros pays, États-Unis, la Chine, Espagne, Brésil, Mexique. Ça, c'est 5 pays que c'est demain qu'ils achètent dans main beaucoup plus. Et, dans main nous, ouais, un bagage, ça n'est pas. Vous comprenez une question de commerce là? Quelle table ça? Il y a pas important, nous besoin garder nous garder deux bagailles. Nous voyons bar contingent saumon et puis mon l'autre qui contient trace noir et blanc. T'as bien oui? C'est que ces domaines bail chiffre palio. En saumon chiffre paitio en côté gain trace là, petit bar noir et blanc. Ça veut dire que en 2010 Saint-Domingue estime que li van Haïti pour presque 900 millions de dollars, nous elle 800 et bi 1000, donc il en mitan 900. Haïti lui-même li estime que li achete nan men Saint-Domingue pour 600 millions. Donc ça veut dire que toujours gon écart entre chiffre Haïti dit que l'achete yo nan men Saint-Domingue avec chiffre Saint-Domingue dit que le van Haïti. Toujours gon écart. Bon, on regarde 2013 pour nous. En 2013 Haïti dit que le commerce qui sort de Saint-Domingue, c'est 600 millions de dollars. Pendant que Saint-Domingue dit qu'il vend à Haïti 1 milliard 400 millions de dollars de commerce. Ça veut dire que dans le temps, deux chiffres, il y a des contrebandes, des corruptions, des gens qui ne sont pas déclarés, des gens qui passent en bas fil, des gens qui passent dans le conteneur la nuit. Son frontier qui charge les problèmes. Et puis, question fondamentale, je veux dire, est-ce que ce n'est pas un moment pour que nous prenions les choses en main, pour nous prendre responsabilité? Parce que pour un bon produit, là, moi, j'ai acheté ce domaine pour un bon com. J'ai acheté un tableau CFI qui a été publié en 2016, 30 millions de dollars américains, sauce tomate que Haïti a acheté l'autre bois. Pendant qu'en Haïti, il y a des gens qui ont fait sauce tomate. 25 millions de dollars, petit bonbon dans sachet, n'a pas acheté chaque année. 50 millions d'œufs par mois. Mais côté monde en Haïti qui a fait des œufs. Farine, 78 millions de dollars farine. Pendant que il y a deux entreprises haïtiennes qui ont fait farine. Il faut une jeune formule qui j'en pour accompagner. Les moulins d'Haïti, les céréales d'Haïti qui j'en pour accompagner. Si ustensile de cuisine qui est plastique, 26 millions de dollars, n'achetez pas de ça. Mais c'est qui ça, ça m'a dit pour nous faire ça? Yo? Ciment, 69 millions de dollars, plus que ça. Et ça, qui est Haïti, bandit, canarin, 400 marozo, empêché au fait. Faut comprendre ça. Ce bandit, il toujours une équipe de zone pour empêcher l'entreprise de fonctionner. Ça va dire nous, hein? Sachet plastique, mes amis, 25 millions de dollars sachet plastique, dans la machine en main chaque année. Moi, je connais Carissa, café. Moi, visite, moi, ouais, capacité. Mais, au besoin, au environnement. Mais si vous avez une zone bandit à faire courir, qui j'a fait produit? Si la douane empêche mon yon acheter matière première, qui j'a fait produit? Ça dit que combat ça, je dis, là, son combat pour nous prendre au sérieux, pour nous dire. Comment pour nous arranger question douane, budget, tout bagage, sécurité pour nous profiter de moment ça? Parce que il y a des gens qui comprennent que la réponse n'est seulement n'a pas du banane avec patate. Non. La majorité ça n'a pas consommé, c'est pas banane avec patate. C'est des produits agro-industriels. Pas dans sachet, t'as des spaghetti, t'as des sauce tomate, t'as des hot dog, c'est des produits agro-industriels. Faut qu'on gagne industrie pour faire. Mais yo là charger mon en Haïti là qui a produit et gagne cobla là qui t'a produit plus, mais au besoin environnement pour ça, et c'est ça qui veut répondre. Parce que Haïti a importé 1.5 milliard de dollars américains pour du alimentaire chaque année, et presque un tiers sorti Saint-Domingue, on l'autre tiers sorti États-Unis, reste à sortir le côté en Chine, Pérou, etc. Qui gens pour nous prendre les choses en main, pour nous produire, pour nous irriguer terre, pour nous bailler, moun ka produit financement,
pour nous créer moyens, mais aussi accompagnement au niveau fiscal, douane, pour nous booster mon dire. L'État haïtien pas grand il a perdu dès que grand pile entreprise qui a produit. Plaisir ça. T'as plus bon coup. Et frontières fermées ça, j'en dis tout à l'heure, gros perdant c'est ce domaine. Haïti 7, ou 7 fiscal, grand pile entreprise qui veut de matière première, et l'autre boy a sorti, libéralement des cognats, plus capable d'identifier de nouveaux partenaires. Pour qu'à diversifier partenaires commerciaux, non. Pour que ne pas trop dépendre de eux, j'en dépendre de eux, ouais. Parce que presque un tiers, bah, gagne à acheter dans le pays, et là, quand ils ont sorti, un tiers. Dépendance totale. Un tiers États-Unis, un tiers la caillou. A dit, deux mouns à eux, y a deux tiers, tout ça n'a pas consommé. Il faut diversifier partenaire commercial. Il faut obliger, ça seulement. Et parce que comme ça, on est capable de répondre. Certes, on est d'accord sur ça. Si font tirer à faire un jour, il va le bailler, l'orter à court terme sur certains produits. Il est capable de provoquer hausse de prix sur quelques produits. À court terme. Mais c'est une bonne disposition pour une bonne réponse. Réponse économique. Parce que leur fait maintenant parce que n'a pas grand goût, n'a pas moins grand goût. Donc si on te connaît que nous capons du assez et nous te connons du assez, il y a pas à penser que fermer frontières sont pression que le dégager sous nous. C'est le moment plus que jamais pour que nous puissions s'habiter. Mais il faut tout un cadre pour que ça.